L'arrivée de Camille comme d'autres apprentis. Voilà, bonsoir monsieur, donc nous venons d'assister à une belle remise de prix. Je pense que vous devez être fier de ce titre. Je suis fier qu'il y ait un facteur d'or qui représente notre savoir-faire, oui, ça c'est vrai. Vous êtes déjà dans une filière très difficile et exigeante. Oui, 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 dans le métier d'art, c'est des métiers d'excellence, il faut connaître beaucoup de corps de métier, beaucoup de savoir-faire cumulés. Donc, c'est un apprentissage qui est très long, beaucoup plus long que l'apprentissage normal, quoi. Est-ce que c'est naturel de vouloir passer comme ça à d'autres générations? Comment ça vient, cette nécessité? C'est assez naturel, oui, effectivement. Quand on nous a fait confiance, enfin moi j'ai profité de la confiance de mes maîtres et ça m'a beaucoup aidé pour me libérer de certaines peurs. Et quand j'ai dans mon équipe un jeune que je sens capable, je n'hésite pas à lui faire confiance. Mais je pense que c'est d'abord l'apprenti qui doit la faire. Le maître d'apprentissage, il propose, mais c'est l'apprenti qui fait la démarche, je crois, essentielle. Est-ce que vous voyez une évolution justement par rapport à vous, par exemple, quand vous avez commencé? Ça vous a manqué de ne pas avoir cette aide, entre guillemets, ou vous en avez Non, non, j'ai profité, moi, de la confiance de mes maîtres. C'est ce que j'essaye de transmettre, justement. Voilà. Est-ce que ça évolue, selon vous, en fonction... Ça dépend de la motivation des jeunes. Alors ça, c'est assez irrégulier, on va dire. J'ai déjà formé des jeunes qui se sont installés à leur compte après. Ça, c'est une fierté de savoir que j'ai contribué au fait que ils ont une place dans la société et dans la chaîne du patrimoine, puisqu'on a un métier patrimonial. Voilà. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés dans votre travail? Il y a très peu de débouchés, donc c'est vraiment l'excellence qui fait la différence. Oui. Donc la barre est très haute. Bah oui, forcément. Oui. Donc justement, est-ce que souvent vous êtes confronté à des élèves qui ont envie, qui pensent, mais qui finalement n'arrivent pas à... Ça, c'est le problème c'est le problème des métiers d'art qui vu de l'extérieur, fait rêver, mais il y a quand même beaucoup de contraintes, il y a des déplacements, il y a des travaux répétitifs. Il faut rester sur terre. Avant tout, c'est un artisanat, c'est pas un travail d'artiste, c'est un artisanat. Donc avec une technologie à apprendre et une rigueur aussi. Est-ce que vous pouvez avoir plusieurs apprentis en même temps? Enfin, c'est possible? Ça m'est déjà arrivé. Enfin, comme on est une petite structure, hein, on n'est que 5, je préfère à la limite me limiter à un ou deux, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de s'occuper des apprentis. Alors, une cérémonie comme ce soir, ça revalorise l'ensemble des métiers. Je pensais que ça donne un bon éclairage, c'est ça? Tout à fait, oui, oui, ça montre qu'il y a des jeunes qui veulent apprendre et qui se lèvent le matin pour travailler tôt, comme je vois des boulangers là qui sont courageux et qui sont bien suivis par leur maître d'apprentissage aussi, ça fait plaisir. Je pense qu'un jeune qui choisit l'apprentissage, ça veut dire qu'il renonce à 3 mois de vacances par an, par exemple, et pour un salaire qui est quand même très modeste, et je pense que ces jeunes-là méritent du respect, tout à fait. Comment voyez-vous l'avenir, justement? Vous pensez qu'il y a des choses à développer, à améliorer, pour solliciter justement les vocations? Je pense qu'on est en train de faire attention à l'apprentissage plus qu'autrefois, et à valoriser, c'est le rôle des chambres des métiers. Je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait absolument... que l'artisanat, qui est un savoir-faire qui s'adapte à la demande, tout à fait, c'est le critère. Et ce qui fait la différence entre l'industrie et l'artisanat, c'est qu'on doit s'adapter à la demande. Et je pense qu'on fait attention à ça aujourd'hui, où tout vient de produits manufacturés à l'étranger. L'artisanat a sa carte à jouer par la spécificité des savoir-faire qu'on peut adapter. Le côté Made in France, ça joue beaucoup, non, entre guillemets? Forcément, oui, oui. C'est... International même, on peut dire. Oui, ça, oui, oui. D'ailleurs, dans notre secteur particulier de la facture d'orgue, on essaye de travailler à l'étranger pour notre savoir-faire, oui, qui est réputé depuis des siècles. C'est un métier aussi qui évolue, parce que vous êtes confronté peut-être à l'électronique, non? On a une concurrence féroce avec des orgues électroniques, oui, par exemple. Oui.
Donc, est-ce qu'il y a des passerelles, justement, ou vous restez très puriste? Alors, en facture d'orgue, on a toujours utilisé le progrès pour l'adapter à nos machines, qui sont des machines assez complexes et qui ont, notamment au 19e, épuisé beaucoup de choses dans la pneumatique ou dans l'électrique. Et aujourd'hui, c'est l'électronique. Mais il faut quand même rester sur la base des tuyaux d'orgue, du vent, des choses très basiques, du bois, de la mécanique. Donc, bah, disons qu'il faut... Il faut être conscient de tout ce qu'on peut aller chercher dans la technologie, mais il faut quand même rester dans la beauté du son naturel, je dirais. Voilà. Merci beaucoup. Merci.